Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft sur la mise à jour 0.13, donc .1902, la mise à jour appelée Party Matchmaking. Donc maintenant, nous avons des équipes de montrer entre guillemets dans le log de la game pour savoir qui est avec qui, etc. En matchmaking du coup, donc une icône de groupe littéralement. Nous avons aussi un système de matchmaking qui prend en compte les groupes, comme ça donc un joueur solo tombera pas face à un groupe de 6 par exemple, donc ça peut être très très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors une modification au niveau des commandes de l'équilibrage, au niveau de la friction des cubes qui a été réduite, qui était revenue donc à ce qu'elle en était. Une augmentation du temps pour le MP, le cooldown dans le MP qui passe de 25 secondes à 50 secondes, ce qui pour moi est beaucoup trop long pour des parties très très courtes. Le temps de stunt de l'EMP est passé de 5 secondes à 5 secondes. Il y a eu une modification au niveau des CPU aussi. Quand vous avez par exemple 2000 CPU et 1500 CPU, la différence en fait au départ, plus votre... enfin, les petits robots en fait, les tout petits robots, ceux qui avaient entre 0 et 500, j'irais même 0 et 150, ont donc moins d'énergie qu'ils en avaient. Et les robots du style 1500 en ont plus qu'ils n'en avaient, par contre 2000 en a toujours le même nombre. Donc je crois que c'est dans les 1000 de 1000, enfin 10 000, 10 100, 10 150, ou 11 000, plutôt 11 500 plutôt. Bon, ça c'est encore du détail, hein, on verra ça de façon en jeu. Les lasers ont été modifiés, donc ils ont été améliorés au niveau de la précision, de la puissance, mais aussi ont une consommation d'énergie un peu plus grande. Les plasmas, pareil, augmentation des dégâts, du nombre de tirs par seconde, et aussi forcément de l'énergie consommée par les tirs. Toutes les tours ont maintenant 4 spins, alors ce qu'ils appellent les spines, c'est 4 colonnes, les 4 lignes, vous savez, de comment de maintien des cubes, dont on parlait récemment. Par contre, les cristaux des tours ont 45% de points de vie en moins, pardon, je vais arriver à parler. Les tours neutres ont 50% de PV en moins que les tours rouges et bleus. Voilà, donc ceux qui, quand vous passerez plus de temps à capturer une tour ennemie qu'à capturer une tour neutre, voilà. Le coût en énergie des armes de corps à corps, donc les Tesla Blades là, a été augmenté. Nous avons une augmentation du coût du blink, une augmentation du coût du cloak, une augmentation... alors ça aussi, autre chose. Avant, nous pouvions gagner des points via la défense du point, enfin de la base, via le spot, via le heal complet, une personne des points bonus. Tous ces points bonus ont été supprimés, que ce soit du score, de l'XP ou du comment, du... comment ça s'appelle ? L'overclock, voilà. Donc le niveau que vous gagnez en Battle Arena. Donc tout ça, ça a été supprimé en vue d'obtenir en fait une évolution des robots pendant la partie due à ce qu'ils font d'intéressant, d'utile, entre guillemets, pour la gagner. Bon, ça c'est un choix qui leur est propre. Malgré tout, les scores ont été augmentés pour pouvoir toujours garder la même XP et la même capacité à augmenter notre compte à la fin de chaque game. Donc finalement, on ne perd pas en XP, simplement les moyens d'en gagner sont moins nombreux. Bon, c'est un choix, encore une fois. Le score gagné. Avant, quand on détruisait la tour ennemie, nous gagnions le double des points que nous avions à l'heure actuelle. Alors on passait de 3000 à 6000 points. Aujourd'hui on va gagner que 170%, donc 70% en plus. Voilà. D'accord. Les thrusters ont été revus aussi, donc on va voir que les thrusters, les petits thrusters ont gagné en manœuvre. Ont la même manœuvrabilité, mais délivrent moins de puissance. Donc en fait, un petit thruster ne pourra plus vous permettre de vous échapper en cas de problème, par exemple. Vous pourrez vous déplacer très rapidement sur vous-même en termes de manœuvrabilité, mais pas en vitesse.
Donc littéralement pour aller plus vite, utiliser les plus gros thrusters. En parlant des plus gros thrusters, ils ont aussi augmenté leur vitesse eux-mêmes, leur vitesse maximale a été augmentée. Ils ont réajusté aussi la santé des petits thrusters, qui passent de comment de par exemple de alors je crois que là apparemment les petits ils passent de 3000 à 650. C'est une grosse diminution. Bon, on verra ça en jeu ce que ça va donner. Les cubes ont été légèrement. La plupart des cubes ont été légèrement revus au terme de santé. On va pas passer dessus trop de temps. Et pour ce qui est du reste, il y a eu un gros bug fix. Donc voilà. Bon, on va aller voir ça directement en game, je pense. Je suis désolé, j'ai la mèche qui se rebelle, qui passe devant l'œil, c'est chiant. On va prendre le Bloodcrawler. Je rappelle que vous pouvez participer aux vidéos dans les lives. Donc ça dépendra le temps que j'ai. Hein, le vendredi, le samedi soir ou le dimanche soir. Je ferai pas forcément des lives les 3 soirs. J'en ferai pas forcément tous les vendredis, tous les jeudis, tous les samedis, pardon, tous les dimanches. Mais bon, normalement, il y aura un temps consacré dans le live à Robocraft. Donc si vous voulez faire partie d'un épisode, venez sur le live, dites votre nom et on essaiera de vous trouver une place dans le groupe, tout simplement. Et je vais essayer de faire tourner les gens, vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc là, c'est la vidéo d'aujourd'hui, jeudi. Il faudra une donc pour samedi. Donc il faut que je tourne 2 vidéos de Robocraft aujourd'hui. Ok, donc je peux supprimer celle-ci. Ça, c'est bon. Donc en gros, il me reste encore aujourd'hui à tourner. Une, deux, trois, quatre, cinq, quatre. Donc avec cette vidéo-là. Grosse journée ce jeudi, chers amis. Il faut que je monte l'épisode là que je suis en train de tourner. Ensuite, il faut que je l'upload. C'est génial pour le plus tôt possible. Parce que je vais essayer de, comme je l'ai dit, j'essaie de régler un petit peu les temps d'upload, de mise en ligne des vidéos un petit peu plus tôt, si possible entre 17 et 18 heures maximum. J'essaye, je fais ce que je peux, chers amis. Hein, je me débat. Et à votre demande aussi, je réduis le temps de certaines séries, là, le temps de vidéo de certaines séries qui passe à 1 heure. En ce moment et qui est apparemment beaucoup trop long pour vous à suivre puisque vous n'avez pas forcément 1 heure de temps pour regarder ces vidéos. Parfait, on tombe sur la nouvelle mage, on va pouvoir aller y faire un tour. On voit qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas de clan par contre. Donc au niveau du clan, je vais revoir d'ici une petite semaine qui est actif, qui ne l'est pas. Et bien sûr, je ferai le tri avec ceux qui ne sont pas assez actifs vis-à-vis du groupe. Parce que c'est vrai qu'il y a en fait... Allez, on va dire 20% du groupe qui fait tous les points, hein, chers amis. Hein. Je veux pas dire, mais là, c'est pas normal. Ok, allons-y. Ok. Donc, nouveau robot. Acheté durant le live de mémoire. Hein. Hop. Et on peut voir effectivement qu'il y a 4 spines. Où est-ce qu'il est? Hop. Ok. Hop. Parfait. Moi, je vais essayer de prendre... On dirait la tortue. Je vais essayer de prendre les gens en revers en passant par là. Ah, il est assez compliqué à manœuvrer, ce robot, malgré tout. Je peux vous l'assurer. Monte pas plus haut? Ok. Hop. Hop. Apparemment, il y a des gens sur notre point. J'y vais. Laisse-moi le temps, l'ami. Hop. Oh. T'es sérieux, là? Et je peux pas être tout seul. Voilà. Et de 1. Hop, et de 2. Parfait, j'ai cru qu'on s'était fait tirer dessus, mais apparemment c'est dans ma tête que c'est arrivé. Donc on a buté ceux-là. Ok, ça se passe assez bien.
C'est une bonne femme avec un caddie, je rêve pas. Oh la vache. Ah, ils font les dégâts. Vache. Hop. Je me fais rect. Est-ce que je peux me baisser? Voilà, je me baisse. Hop. Je sais pas si j'ai fait les dégâts nécessaires. On va essayer de s'approcher un petit peu. On a une équipe qui a l'air en tout cas d'être très 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 sérieuse. Tu l'as eu? Merde, il est planqué. Merde. Je peux pas t'aider l'ami, je suis désolé, j'aimerais... Oh! Comment c'est possible cette histoire? Ils ont eu quel truc? Le nôtre? Ah bah oui, mais enfin bon. On peut pas être partout, chers amis. Vous avez raison, baquet, 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 baquet. Siège baquet? Non, non, c'était naze. C'était naze. Ok. Je vais continuer à sniper autant que je peux. Oh oui, oh oui. Fais-moi ce plaisir. Viens par là. Voilà, merci. Est-ce qu'ils vont réussir à ravoir la tour? Merde. Hop. Qu'est-ce que ce bruit? Merde, je me fais défoncer. J'ai plus qu'un canon. Hop. Si je peux me placer ici, essayer de viser mes ennemis de là. Ah la vache, je suis pas bon. Je ne suis pas bon. Laisse-moi le temps de remonter. Ah la vache. Merde, je me fais défoncer par un autre truc. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Et je suis dans la merde. Ah la vache. Ah la vache. C'est bon. Je peux m'envoler. M'en fous. M'en fous tant que je peux passer. C'est bon. Je suis à l'abri. Hop. Je suis à l'abri. Je suis à l'abri. Je suis à l'abri. J'arrive, hein. J'essaie de m'en occuper. T'inquiète pas. On a encore perdu une tour. La centrale. Hop, désolé l'ami. Voilà, on t'a eu. Ça c'est cool. Si je peux essayer de passer là. Peut-être tenter une couverture du point. C'est vraiment la tentative pour le coup, hein. Essayer de ravoir le point. C'est... Ouais, je peux pas. C'est bien. Là, du coup, elles sont peut-être un peu plus tactiques. J'essaie de vous couvrir. Hein. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un là-bas? Effectivement, il y a quelqu'un. Hop. Merde. Putain, il s'est mis à l'abri. Hé ! Oh la vache. Voilà, ça t'apprendra. Merde. Boum! Merde! Merde! Je vais le chercher. Vas-y, GG. J'y vais, j'y vais. Allez! Hop! Il va encore s'enfuir! Je connais le bourrin, non c'est bon. On l'a eu.
Ah la vache. Salaud. Hop, raté. Boum. Viens voir papa. Viens voir papa. Ça c'est du fight. Hop. Merde. Là. Merde, crédit. Hop, c'est moi qui fais 80% du truc et c'est un mec qui vient récupérer derrière. C'est pas normal. Je recule. Alors je suis pas très offensif, chers amis, mais je n'ai pas d'attaque au corps à corps. Hein. Je n'ai pas d'arme de corps à corps, par conséquent, j'estime que je dois avant tout être à distance. Hop, voilà. Où est-ce qu'il va? Vas-y, viens, je t'attends. Voilà. Il y a des missiles qui volent un petit peu de partout. Oh la vache. Dégage. Ça vaut mieux. Hop. Voilà, GG. Eh ben écoutez, c'était une partie qui était vraiment géniale. Alors, je me plaignais de l'équilibrage. Encore plus de l'équilibrage de ces snipers. Et honnêtement, j'ai pris mon pied. Alors, je vois bien qu'il y a un mec qui a fait 9000. Donc, effectivement, oui, je me dis que lui, il était meilleur que les autres. Mais j'ai vraiment pris mon pied sur cette game. Je me suis amusé dans Robocraft. Truc de fou. Ah oui, là non, franchement, bravo. Bravo, bravo. Là, je suis subjugué. Littéralement subjugué. Ok, c'est pas grave. Là, je me suis véritablement éclaté. J'ai joué mon rôle. Les gens ont l'air d'avoir joué leur rôle aussi. Alors ça, par contre, je comprends toujours pas pourquoi c'est en épique. Mais bon, c'est pas grave. Non, honnêtement, what? Ce jeu est épique. Ce jeu est absolument épique. Pensez demain à aller vérifier qui m'a rajouté mon premium aussi. Par contre, ça serait cool. Ok. Merci pour les gens qui ont acheté mes robots. Hein. Je sais qu'il y en a qui voulaient les avoir absolument. Donc, merci à vous. C'est sympa. Hop. Et bah écoutez, chers amis, du coup, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo parce qu'il y a eu le patch note avant, il faut que je la monte et l'upload. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à la pouce-vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, rejoindre le clan quand j'aurai fait de l'espace dedans. Comme ça, on pourra voir qui est actif, qui ne l'est pas. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!